Bon, attends, c'est la raison pour que je dors pas les cheveux mouillés parce que je sais pas quoi ce qui se passe, mais je pense qu'il va juste falloir que j'apprenne à dire qu'il avait des cheveux frisés parce que je pense que c'est ça que j'ai. So, aujourd'hui c'est une journée de cuisinage, puis je suis vraiment excitée parce que ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné, puis j'ai vraiment besoin de cuisiner. Avant de se rendre à l'étape de cuisinage, il y a plusieurs étapes préparatives qu'il faut qu'on fasse avant. Puis l'étape numéro 1, c'est nettoyer mon fridge. Ok, j'ai été changer mon photo profil Facebook parce que je me trouvais cute avec mes cheveux. On va passer au fridge. Parce que c'est horrible là-dedans. J'ai même pas envie de savoir quoi ce qui se passe là-dedans. Oh, mais j'ai du citron, moi. J'ai pas besoin d'en acheter, mais il doit être pas mal vieux. 2023. Je vais le mettre dans le fridge, right? Ça, c'est questionnable. C'est une sauce qui est probablement plus bonne. Il faut cleaner le fridge. C'est que ça soit présentable, puis mec, on amène de l'épicerie, que ça soit pas un chamboulage. Puis aussi, que si j'ai besoin de quelque chose à l'épicerie, puis je le trouve dans le fridge, puis il est bon, bah tu sais, là, je sauve de l'argent. Ça, je sais 100% que c'est plus bon. Savez-vous pourquoi? Parce que. Oh, je vois du moisi là-dedans. C'est que c'est moi qui l'a fait, puis je sais que j'ai fait. Je gagne déjà. Ça, c'est quoi? Des sauces? Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout jiggly. Oh. Anyway, je m'ennuie un petit peu de vivre tout ça parce que je cleanais mon fridge comme chaque semaine, puis ma mère là. Not my mother. Ça puise dedans. Ok, honnêtement, c'était pas si bad. C'était plutôt comme les sauces qui étaient questionnables. Genre, il y a des sauces consistantes vraiment questionnables là. J'ai tout clair et ça. Là, j'ai vraiment faim par exemple là. Fait qu'il faut absolument que je mange avant d'aller à l'épicerie. Puis c'est pourquoi que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. C'est like, I wish. Mais ce jus ici est inspiré par les vlogs de Gab. J'ai aucune idée que j'ai mis dedans, mais elle a fait un jus dans son vlog l'autre jour, là. Puis genre, je l'ai copié. Ben, j'ai essayé de faire comme avec quoi j'avais, là. J'ai mis cette t-shirt. J'ai mis du jus de mangue, puis du jus de je sais pas quoi, puis du sirop d'érable, puis j'ai aucune idée quoi j'ai mis dedans, ok? Il est en train de mariner depuis hier soir. Fait que je vais aller goûter à l'instant. Avec une paille, ça serait plus cute. Elle a l'air sale, par exemple. Ok, taste test. Ça, c'était inapproprié. Oh, mes cheveux, ça sent inapproprié. What the hell? Justin Bieber? Ça, c'était une vidéo cooking, là. Taste test. Oh, what the fuck? Ça goûte l'herbe. Étape numéro 2 de la préparation de cuisinage et faire la vaisselle. L'étape la moins fun. Bon, l'étape 3 du préparatif, c'est faire la liste d'épicerie. Fait que là, hier soir, j'ai déjà établi à peu près les recettes que j'aimerais faire, selon comme tu sais ce qu'on a déjà à la maison pis pas là. La première recette est muffin, banane, bleuet et lavande. Parce que j'ai un jeton de lavande comestible que j'ai été chercher comme genre 2-3 semaines passées. Puis à ce moment-là, honnêtement, je sais même pas si c'est bon, mais oui, je vais essayer de comme l'incorporer dans une recette de muffin. La recette que j'ai trouvée est un petit peu compliquée là, mais je vais comme l'orienter comme un petit peu plus facilement selon ce que j'ai aussi. Parce que j'ai pas envie de dépenser des centaines de pièces. Quand je peux utiliser ce que j'ai? Sauce, ça prend de la farine, du miel, du baking powder, de la lavande. Sel, banane, lait, de l'huile, j'ai besoin d'en acheter, mais c'est déjà écrit dans ma liste. Des œufs aussi, je planifie déjà d'en acheter. Des bleuets, si je me trompe pas, il y en a dans ma cave. J'ai checké. S'il y a un feu de maison un jour, ça va être à cause de ma ring light parce que la plug vient tellement chaude, c'est même pas drôle là, puis comme ça short là genre. So I guess la seule chose que j'ai besoin pour ça vraiment, c'est de l'huile et potentiellement des bleuets. Le reste, j'ai tout ça déjà. So la prochaine recette, c'est des gaufres aux bananes. Fait que là, ça va être comme une journée banane parce qu'on a des bananes congelées. Ben des bananes qui étaient trop mûres que j'ai congelées l'autre jour là. Pour les gaufres aux bananes, c'est vraiment simple. Puis je pense que c'est la recette qui est dans mon livre que j'utilise. Je me souviens plus là. Parce que maintenant j'avais une recette sur l'internet. Mais je pense que c'est la recette du livre que j'utilise. Oh my god, j'ai marché sur une mouche morte. Oh my god, mes cheveux maintenant vraiment bad. Blueberry muffin. Qu'est-ce que je cherche encore les gaufres? Non. Oh!
Oui, oh my god, j'ai complètement oublié. Oh, faut changer des fraises. Parce que dans ce... Ok, ça c'est mon livre que j'utilise pour différentes recettes, là, honnêtement, là, comme... Mon but, un jour, est de compléter toutes les recettes dans ce livre-là. Pour les gaufres, là, il y a strawberry butter. C'est tellement bon, mais c'est tellement simple. Genre, c'est littéralement du beurre, des fraises, puis du sel. Mais comme c'est tellement, tellement bon, c'est mental, là. Anyway, je trouve ça cute qu'il y a des taches parce que ça, comme, ça prouve que j'ai utilisé mon livre, là. La farine, j'en ai encore. Baking powder. Mais honnêtement, baking powder, je sais pas. Ma mère cuisine pas trop, ça je vais vérifier là. Sel, sucre, lait, œufs, huile végétale, extrait de vanille, fraises et sirop d'érable. So, I guess là, ce que j'ai besoin. Oh my god, s'il vous plaît, mindez pas mes cheveux là, comme. Fraises congelées ou fraises fraîches? Sûrement fraises fraîches. Fraises fraîches. Je vais acheter. Ah oh, oui, je voulais peut-être faire un pokeball aussi. Ouf, j'ai trop de choses en tête. Ok, épicerie Hof, c'était vraiment chaotique. J'ai eu comme une des pires expériences à l'épicerie ever. J'aime l'épicerie, fait que c'était pas vraiment nice. Deux petits paquets de bleuets, parce que c'était en spécial pour 2$. Puis si je les use tout de suite, je vais les geler là. Une barre de chocolat, un sac d'avocat, des crevettes pour faire peut-être mon pokeball. Je sais pas si je vais le faire ou non là. Du yogourt vanille, j'ai pris le 0%. Le seul yogourt que j'aime, c'est spécifiquement le yogourt vanille. Puis encore plus spécifiquement, le Activia. Fraises. Fresas, comme en espagnol. Les bleus en espagnol, je sais quoi. Oh, ça c'est arroz. Oh my god, je vais surtout pas faire des vidéos en espagnol. Riz brun pour le pokeball. J'ai jamais essayé le minute rice brun là. Huile de canola. Puis ça c'est un nouveau beurre que j'ai jamais essayé. C'est la Cow's Creamery. Ça vient de ouais, hein, l'île du Prince Edward. Puis j'ai pris le non salé parce qu'il était en spécial ou je sais pas trop. Là, je vais Joe Bell. Cheetos, fromage blanc. Et ça aussi, je l'ai déjà ouvert. Veggie chips. Un pain Silver Hill. J'ai pris le multigrain parce qu'il y avait 680 grammes. Puis c'était exactement le même prix que les autres pains qui avaient rien que 600 grammes. So, tu sais, faut penser à ça des fois. Un cocon. Fait, ça, c'est le meilleur beurre d'arachide ever. Là. Moi, je prends juste le classique, mais il y a aussi beurre au sirop d'érable puis au caramel salé. Ok, désolé, j'ai eu une petite interruption. J'ai pris une mangue pour le pokeball parce que le pokeball que ma soeur mange a des mangues et des fraises dedans. Fait que c'est comme la raison pour que j'ai acheté ça là. Je vais essayer de comme le recopier là. Des œufs parce que nos poules pendant pas. Puis finalement, 4 petites bananes singulières parce que c'est toujours dur à prendre parce que personne ne les prend jamais. Puis ils vont pourrir puis ils vont se faire garocher à la poubelle. Fait moi, c'est ce que je prends. So, avec tout ça, on va aller cuisiner quelque chose. Je sais pas quoi encore. Muffins sont prêtes, mais on va les checker ensemble, faire sûr qu'ils sont vraiment cute parce qu'ils sont vraiment épais là, comme... Oh my god. Oh my god! Oh my god! Wow!
Oh my god, ils sont trop cuties. Je vais faire un petit essai de ma gaufre. Même si j'ai déjà goûté tout à l'heure pendant que je les cuivais là. Parce que c'était tellement long, je pense que j'ai posé comme au-dessus de 1h30 à cuire les gaufres. Parce que j'ai doublé la batch. Puis déjà quand la batch est juste comme normale, ça prend déjà beaucoup de temps là. Mais en tout cas, le mélange à ma firme par exemple est vraiment bon. Checkez ça! Oh my gosh! Wow! Checkez ça! Ça là, il y a qui en haut là, il y a plein de chocolat dedans. Wow! Oh, Valère, je suis laide là. Ben, je suis pas laide là. 5. J'aurais pu prendre un beau petit thumbnail, mais là, il est rendu comme 11h. C'était vraiment comme pas enthousiaste. Je vais en faire un relief ballon, yank. Just in case. Oh, mes cheveux sont trop poufy là. Ok, golf time! Là aussi, je me suis fait du beurre aux fraises. Puis la première fois que j'ai fait ça, je m'avais dit, oh, la prochaine fois que ça tue gelé. Ça gelé, pas je l'ai mis comme au fond du frigo, genre, puis ça gèle là-bas. Mais ouais, je m'avais dit que la prochaine fois que je ferais ça, j'aurais mis des fraises plus petites parce que ça serait comme trop grosse. Puis là, je l'ai comme plus fait ça là. Mais en tout cas, c'est pas pareil là. Mais oui, c'est pas censé être gelé, c'est censé être comme ça que je l'ai mis dans le fridge. Okay, peut-être que je devrais sortir plus avant si je veux comme, t'sais, normalement juste sur une gaufre là. Anyway, c'est ça, dans ma gaufre, j'ai mis plein de choses. J'ai mis bleuet, pépites de chocolat, banane. J'ai mis des graines de lin, j'ai mis du yaourt de protéines. Puis dans mes muffins, j'ai mis pépites de chocolat, banane, bleuet. Là, après ça, je place du sirop maison. Ben, sirop maison. C'est là comme sirop cultivé en nature, là. Comme tu veux l'appeler là. Oh my god, ça serait un cute thumbnail. Everything's a thumbnail. Oh! Ok. Ok, testos. Avant que ça vienne plus bon. Mais c'est vraiment simple, les gaufres. Maison, c'est tellement bon parce que comme tu les fais cuire, tu sais, comme dans la machine à gaufres. Après ça, tu peux les congeler. Puis là, quand tu les as besoin, c'est comme les gaufres du magasin. Genre, tu mets dans tout ça, puis c'est prêt là. Je vais goûter une muffin juste pour voir si elle est bonne. Mais honnêtement, je suis tellement pleine que je sais même pas si je peux refuser ma gaufre là. J'aime pas une petite bague de muffin. Ok, la muffin est encore chaude, mais je vais quand même la goûter. Oh, elle est vraiment chaude. Gooey and gooey. Oh, voyez-vous le steam? Wow. Miam. Oh, c'est comme un jam en dedans. Un peu du beurre, ça serait bon, mais ça me tente pas de dire ça. Faire un petit peu de beurre de fraise. Just a little. J'ai pété, mais je pense pas que je vais laisser ça dedans. C'était un petit peu affreux. C'est comme la vidéo de la petite fille qui est comme. Il y a comme un pet. À pet, puis là, elle est comme. Did you guys hear that? Puis là, I think there's a ghost. Et tout ce temps-là, c'est un gars qui a pété. Whatever. Anyway. C'est ma première recette avec de la lavande. Puis j'ai vraiment content parce que j'ai. Ça fait une couple d'années, honnêtement, depuis comme 2020, 2021. Parce que. Et oui, dans ce temps-là, il y avait. Moi, puis une de mes amies, on s'échangeait beaucoup de recettes durant le COVID. Puis là, c'est ça. C'est à ce temps-là que ça m'a comme intéressé, genre, de faire une recette à la lavande. Puis j'ai jamais fait de recette à la lavande. Puis là, l'autre jour, j'étais au champ de lavande avec mon amie. Puis là, c'est ça, la madame avait comme de la lavande comestible à vendre. Puis j'étais comme, oh my god. Ça, je l'ai acheté. Puis là, ça fait comme un petit bout de ça, honnêtement, là. Puis j'avais comme rien fait avec. Mais oh my god, je suis vraiment fière. Je l'ai utilisé là, puis il y a une recette là, je veux vraiment faire, ça s'appelle un tea bread. C'est comme un genre de gâteau là, mais à la lavande, puis ça a l'air tellement bon sur Pinterest. J'ai essayé ça comme littéralement des années passées, puis je vais la faire quelque temps. Ouais, c'est vraiment bon, mais là, je suis pressée, vous jouez finalement Duolingo avant minuit, puis c'est ça, il dépasse déjà 11h30. So, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis que ça vous a inspiré à cuisiner quelque chose pour vous-même. Puis sur ça, on se dit au prochain vlog. N'oubliez pas de vous abonner à mon Snap, mon Pinterest, mon Apple Music. Et sur ce, on se dit au prochain vlog. Bye!